s'est bien passé. Bien passé, bien passé. Je pense que c'est quelque chose qui leur a quand même fait du bien. Après, on n'est pas guéri, hein. Forcément. Pour guérir, il faudra des bons résultats en championnat à nouveau. Mais en tout cas, on avait vécu une semaine voilà, un petit peu différente parce que t'as gagné un match. Après, voilà, on va toujours nous dire c'est une N3A, c'est la coupe. Oui, certes, mais en tout cas, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien et on l'a ressenti. Voilà, on avait un groupe plus apaisé quand même. Ouais, puis de toute façon, quoi qu'il arrive demain, on aura quand même gagné ce match 3-2. Donc de toute façon, on a réexisté un tout petit peu à travers cette compétition qui est différente. Donc voilà, en tout cas, c'est un match de gagné, ça a fait du bien. Pour une équipe qui aspire à remonter, donc c'est ce qu'on va un peu rencontrer là ces derniers temps. Hein. Parce que là, on va faire 3 Ajaccio-Lens, c'est bien classé. Voilà, c'est les ex-Ligue 1 qui aspirent à remonter, donc automatiquement, c'est des gros morceaux. Après, je maintiens que malgré cela, on en a rencontré aussi en début de saison, mais on était un peu plus performants, et voilà, c'est ce qui nous manque dernièrement, puis avec de la confiance. Sur un match, on est capable de ramener un résultat. Sur un championnat, ils sont devant nous, et c'est logique. Après, voilà, est-ce qu'on va être capable demain de bonifier la victoire contre Beauvais en Coupe ? Ça fait du bien à tout le monde, les attaquants ont marqué, ça fait du bien même à tout le monde. C'est la victoire collective qui fait qu'à la fin, voilà, c'est ce qu'on avait besoin. Parce que les attaquants marquent, mais si les 3 attaquants marquent, mais on perd 4-3, les 3 attaquants ils ont marqué, quoi. Mais on a quand même encore perdu. C'est bien qu'ils aient marqué, mais c'est bien qu'on ait gagné surtout. Ouais, c'est une belle équipe en face, on le sait, un beau stade. Après, c'est aussi motivant de jouer dans ces conditions. Toutes les équipes sont compliquées à jouer, donc que ça soit à 3 ou autre part. Dans notre situation, de toute façon, voilà, faut prendre des points, donc on va faire le maximum pour ça. Ouais, c'est vrai que c'est pesant, la spirale n'est pas très bonne. Après, le moral, malgré tout, reste bon, je trouve, au niveau des entraînements, au niveau de l'équipe. Donc là, on est reparti sur une belle semaine, on a fait une belle semaine de travail. On va essayer de concrétiser ça par des points contre 3. Ouais, non, il a fallu être patient. Après, j'ai essayé de bien travailler en préparation, de faire des bons matchs, et de saisir un peu ma chance quand j'allais en avoir l'occasion. Ça a été le cas récemment. Après, rien n'est fait. Tous les matchs, voilà, c'est aux entraînements, à la semaine, de prouver qu'on peut participer au match, voilà, que ce soit 15 minutes, que ce soit pour commencer. Essayer d'être présent, ça a toujours été ma philosophie toutes ces années. Je sais un peu voilà, comment ça se passe, de persévérer. Et, c'est un peu le cas aussi cette année. J'ai un peu l'habitude et après, mentalement, j'essaye de rester positif et continuer à travailler. Et je sais qu'à un moment donné, j'aurai une possibilité de jouer. Ça a été le cas là récemment. Donc, Limite, c'est venu cette saison, c'est venu tôt, je trouve. Ouais, c'est venu même plus tôt. Ouais. C'est venu plus tôt que l'année dernière parce que la saison est différente aussi. L'année dernière, il y avait une grosse spirale de victoires et c'était plus compliqué d'intégrer l'équipe. Cette année, il y a eu un peu plus de roulement et les matchs sont aussi différents, donc le coach a peut-être aussi besoin d'autres qualités, de joueurs différents dans certains matchs, et ça m'a servi sur les derniers matchs. Non, on essaye de s'adapter. Hein. C'est s'adapter. Après, bien sûr que le niveau, il y a une différence avec le national. Ouais, il y a une différence au niveau du rythme, au niveau de la qualité des joueurs, hein. C'est indéniable. Après, qu'on a aussi des qualités à faire valoir dans toutes les divisions, on essaie de s'adapter, de travailler au quotidien pour se mettre au niveau. Non, si j'ai des complexes à mon âge, j'arrive à un âge où c'est du positif pour moi. Donc j'essaie de prendre tout ce qui vient et d'essayer de faire le maximum pour l'équipe.